Voilà, le boulot est fini. Je prends le chemin du retour sur le même haut banc. C'est toujours à la barre, il fait confiance. C'est important de garder un certain cap, celui où le mât bouge le moins. Je pense à faire ce peu comme on dit. Du courage quand on est là-haut. Pas pour tout le monde. Pas d'empannage. Donc depuis que nous sommes arrivés sur les fleurs de passion, nous avons toujours eu notre tape de nuages sur la tête, du soleil entre, mais toujours couverture nuageuse quelque part, rarement le grand ciel bleu pour longtemps. Et à partir de Madère, je promets que ça va se dégager. Il y aura plus de bleu que de blanc. On va demander à Sébastien ce qu'il en pense. Alors, c'était bien là-haut? Ah, c'était sympa. C'est mieux que tous les manèges du monde. Ouais. Ça branle quand même, hein. On s'en rend pas compte d'ici. Mais surtout pour travailler. Ouais. Alors, t'as fait quoi? Il y a un axe de poulie là. Ouais. Donc, il a fallu le remettre en place. Ouais. Avec la baston qu'on s'est pris cette nuit là. Ouais. Ça a bougé un peu en haut. Ouais. C'est un truc que tu as fait quelques fois parce qu'il y a de l'usure. Ah, c'est déjà arrivé. Okay. Tu sais, les poulies elles se mettent un peu de travers, elles travaillent mal et du coup ça travaille sur les axes. Ok. Tu fais bien confiance à JC là. Il faut. Non mais JC c'est mon binôme. D'accord. C'est parole forte. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on peut lui faire confiance. Il sait. On va regarder. Et JC, t'assures? Fais attention, tu ressembles trop à un adulte là. Fin de séquence. À bientôt.